C'est pour ça que vous, là, vous tous, nous tous, on est tous passés par la Galoute, ouais. Ben, on peut, par rapport à un Israélien qui est né ici, c'est au moins une chose qu'on a, on peut dire à nous, on peut savoir ce que c'est la Galoute. Parce qu'on est passé par là. Nous, on a fait ce passage-là, de Galoute à Géoula. De Galoute, dans un pays étranger, dans un monde étranger, etc. Et on voit ça, cette différence d'être en Galoute et en Géoula. Une personne qui est née ici, il a du mal à voir ça. Le Rav Yehuda, c'était à Pourim. Regardez-moi ça. Regardez, des élèves très proches du Rav Yehuda Kouk, qui apprenaient chez lui, qui apprenaient chez lui, qui apprenaient chez lui tout le temps. Et les gens, ils avaient bu à Pourim. Vous savez qu'à l'Yeshiva, on boit le jour de Pourim, à Yehuda. Ils étaient un peu gays comme ça, il y a moins de distance. Et il y a un élève qui commence à parler. Le Rav parle tout le temps du Ham Israël, de Eret Israël. Vous savez pourquoi? Parce que vous, Rav, vous êtes né en Galoute. Nous, on est né en Eret Israël. Donc, on n'a pas besoin d'en parler autant. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le Rav lui a dit, bah, c'est Bidiouk AFR. Bidiouk AFR. C'est-à-dire, étant donné que tu es né en Eret Israël, tu sais pas ce que c'est la Galoute. Tu es né libre. Vous savez, en Israël, au début, après la Shoah, 1945, 1946, 1947, 1948. 48, il y a l'État d'Israël. Il y a le ministère de l'Éducation. Bon, il y avait des écoles avant aussi. Mais là, maintenant, c'est l'État d'Israël. Au ministère de l'Éducation, on s'est posé une question. On parle de la Shoah ou pas? Ils ont attendu très longtemps, 6, 7, 8 ans, 10 ans, avant d'instaurer dans les écoles, de commencer à expliquer la Shoah, parler de la Shoah. En Israël, alors que tu pourrais dire, Khafchi, quoi, libre. Mais ils ne savaient pas comment l'expliquer, etc. Dans toutes les écoles, ils ont commencé à partir, on m'a dit 11 ans, 12 ans au début, je ne sais pas, parler de la Shoah. À chaque fois que la maîtresse ou le professeur commençait à parler de la Shoah, il commençait à raconter, les élèves, ils levaient la main. Maîtresse, maîtresse! Tu dis 2 minutes, Shimon, 2 minutes. Je t'en raconte, ensuite tu poseras tes questions. 2 secondes. Maîtresse, maîtresse! À la fin, c'était quoi la question de tous les enfants? Où il était de sale? La maîtresse, elle est morte de rire. Elle dit, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'il a fait l'État d'Israël? Où il était de sale? Parce que eux, ils sont nés avec l'État d'Israël. Eux, ils sont nés avec une armée, un pays qui se défend, qui se bat. Que quand on touche le cheveu d'un juif, d'un Israélien, il y a toute l'armée dessus. Quand on prend un avion et l'on met à l'Ouganda, on fait des milliers de kilomètres pour aller les sauver en dehors de notre pays. Pourquoi? Parce que on peut pas faire ça, on peut pas nous toucher, on peut pas, on n'est pas Efker, on n'est pas laissé à l'abandon. La Shoah, c'est incompréhensible pour une personne qui est en Israël et qui est née avec l'État d'Israël. Donc des fois, déjà, tu peux comprendre parce que tu as vécu le contraire. Tu peux savoir ce que c'est la liberté. Quand tu étais en prison. Maintenant, il faut pas aller en prison pour savoir ce que c'est la liberté. Mais tu as une valeur. Quand tu étais malade, tu prends conscience de la vie. Quand tu n'étais pas dans la Torah, tu kiffes la Torah. Tu vois des jeunes comme ça. Vous avez des gens, moi j'ai souvent ça. Quand j'étais à l'Yeshiva, je voyais des gens que depuis tout petit, ils apprenaient. Ils s'emparaient des Torah. Haïti mécané, ben. Moi j'étais jaloux d'eux. Dans le sens. Jaloux, énervé, mais jaloux dans le sens. Waouh! Depuis tout petit, tu étais au Talmud Torah, tu as étudié que le Kodesh, tu as appris plein de choses, etc., etc. Mais lui, il a moins de hitlavout, c'est pas tout le temps vrai, mais il a moins d'enthousiasme que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu étais asséché, tu étais dans le total désert, puis Tom, tu arrives, on te donne un peu de Torah, waouh! Et lui, tu dis, ouais, bon, ça je le connais, ça je le sais. Mais tu as vu le Rav Kook? Ouais, je connais. Tu as lu ça? Ouais, je connais. Il n'y a plus rien, pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. Comprenez?